C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je préfère regarder le vol des oiseaux. Maintenant, faut pas se raconter d'histoire. D'ici, il y a des faux d'oiseaux. On a une vue sur les voitures et le centre d'achat. Avant, quand j'étais de l'autre côté du bâtiment, mon bureau donnait sur l'autoroute. Bon, c'était pas la mer à voir, mais j'avais fini par accrocher une pancarte à ma fenêtre. Hermine Lebel, notaire. À l'heure de pointe, ça me faisait une méchante publicité. Mais bon, aujourd'hui, je suis de ce côté-ci et j'ai une vue sur le centre d'achat. Centre d'achat, c'est pas un oiseau. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire un oiseau. Et excusez-moi, je ne veux pas vous parler de votre mère à cause du malheur qui vient de vous frapper. Mais il va bien falloir agir, continuer à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez, 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 ne restez pas dans le passage. C'est mon nouveau bureau, j'emménage. Les autres notaires sont partis, je suis tout seul dans le bloc. Ici, c'est bien mieux, c'est beaucoup plus calme. L'autoroute est de l'autre côté. Bon, j'ai perdu la possibilité de faire de la publicité à l'heure de pointe, mais comme je n'ai pas encore l'air conditionné, je peux garder la fenêtre ouverte. Ça tombe bien. Oui. Bon. C'est sûr, c'est pas facile. Entrez, entrez, entrez. Ne restez pas dans le passage. C'est un passage, enfin. En même temps, je comprends. À votre place, je ne rentrerai pas. Oui. Bon. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. J'aurais bien mieux aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. Mais l'enfer est pavé de bonnes circonstances, alors c'est plutôt difficile de prévoir. La mort, ça ne se prévoit pas. La mort, ça n'a pas de parole. On pense qu'elle viendra plus tard, et puis elle vient quand elle veut. J'aimais votre mère. Je vous dis ça, comme ça, de long en large. J'aimais votre mère. Et elle m'a souvent parlé de vous. Enfin, pas souvent, un peu, parfois, comme ça. Et elle disait les jumeaux. Et elle disait la jumelle. Souvent aussi le jumeau. Enfin, vous savez comment elle était, et elle ne disait jamais rien à personne. Enfin, je veux dire, bien avant qu'elle se soit mise à plus rien dire du tout, déjà, elle ne disait rien. Et elle ne me disait rien sur vous. Quand elle est morte, il pleuvait. Je ne sais pas, ça m'a fait de la peine qu'il pleuve. Dans son pays, il ne pleut jamais. Alors un testament, je vous dis pas le mauvais temps. C'est pas comme les oiseaux, un testament. C'est étrange et bizarre. Mais c'est nécessaire. Je veux dire, c'est un mal nécessaire. Bon, on peut y aller là, parce qu'on n'a pas que ça à faire. L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jeanne Marouane et Simon Marouane, tous deux âgés de 22 ans et nés tous deux le 20 août 1980 à l'hôpital Saint-François à Villemar. C'est pas loin d'ici. Selon la volonté du testateur et conformément au règlement et aux droits de Madame Nawal Marouane, le notaire Hermine Lebel est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était là une décision de votre mère. J'étais personnellement contre, mais elle a insisté. J'aurais pu refuser, mais je n'ai pas pu. Tous mes avoirs seront partagés équitablement entre Jeanne et Simon Marouane, enfant jumeau né de mon ventre. L'argent sera légué équitablement à l'un et à l'autre, et mes meubles seront distribués selon leurs désirs et selon leurs accords. S'il y a litige ou mésentente, l'exécuteur testamentaire devra vendre les meubles et l'argent sera séparé équitablement entre le jumeau et la jumelle. Mes vêtements seront donnés à une œuvre de charité choisie par l'exécuteur testamentaire. Enterrement. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami, emmenez les jumeaux. Enterrez-moi nu. Enterrez-moi sans cercueil, sans habit, sans écorce, sans prière, et le visage tourné vers le sol.
Déposez-moi au fond d'un trou, face première contre le monde. En guise d'adieu, vous lancerez sur moi, chacun, un seau d'eau fraîche. Puis vous jeterez la terre et scellerez ma tombe. Pierre et épitaphe. Au notaire Hermine Lebel, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Et une promesse ne fut pas tenue. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent le silence, et le silence fut gardé. Pas de pierre, pas de nom sur la pierre. Pas d'épitaphe pour un nom absent sur une pierre absente. Pas de nom. À Jeanne et Simon. Simon et Jeanne. L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne. Le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton père. Le tien et celui de Simon. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon. Le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe n'est pas pour toi. Elle est destinée à ton frère. Le tien et celui de Jeanne. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Lorsque ces enveloppes auront été remises à leur destinataire, une lettre vous sera donnée. Le silence sera brisé. Et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe. Et mon nom, sur la pierre, gravé au soleil. Elle nous aura fiché jusqu'au bout, la salope! La vieille pute! L'enculé de sa race! L'enfant de chienne! La vieille salope! Ah putain, on se disait à chaque jour, elle va finir par crever, la salope! Elle arrête pas de nous emmerder! Et là, bingo! Elle finit par crever! Et puis, surprise, c'est pas terminé! Putain, que je l'ai pas vu venir! Putain, elle a bien calculé son coup, la salope! Ah, je l'ai pas calculé, celle-là! Je l'ai pas vu venir! Viens pas. Tu parles qu'on va l'enterrer face contre terre. Tu parles. On va lui cogner le cadavre. On va lui cracher dessus, même. Moi, en tout cas, je vais cracher. Elle est morte. Et puis, juste avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait nous emmerder encore plus d'existence. Alors, elle s'est assise. Puis, elle a réfléchi. Et elle s'est dit, je vais écrire mon testament. Mon putain de testament! Mais elle a rédigé il y a 5 ans! Mais j'en ai rien à foutre de quand elle a rédigé, ok? Écoutez, elle est morte. Votre mère est morte. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est mort. Bon, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, mais quand même, qui a été quelqu'un. Qui a été jeune, qui a été adulte et qui a été vieux, et puis qui est mort. Elle a bien vécu toute une vie, cette femme-là. Ça doit bien valoir quelque chose, en quelque part. Non. Je veux pas pleurer. Je vous jure que je veux pas pleurer. Je veux pas commencer à faire semblant, à verser une larme, là. Je suis rien, cette femme-là. Pas une larme, rien. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Pour Jeanne? Jamais. C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur. C'est pas un cœur. C'est une brique. C'est une vraie brique. Et on pleure pas pour une brique. Hein? On pleure pas. Je ne veux rien savoir maintenant. Je ne veux rien savoir. Elle a pourtant émis un souhait à votre égard. Vos prénoms sont là, dans ses dernières volontés. C'est génial. C'est génial. Nos prénoms sont là. Et vous en savez plus sur elle que nous. Mais c'est génial que nous prenons cela, en fait. Les enveloppes, le carnet, l'argent. J'en ai rien à foutre de son crédit. J'en ai rien à foutre de son argent. Si elle pense m'émouvoir avec son putain de cahier. Ses dernières volontés. C'est la meilleure, celle-là. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Retrouve ton père, retrouve ton frère. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait elle-même si c'était si urgent, hein? Pourquoi elle s'est pas un peu bougé le cul pour y aller, pour les trouver, hein? Pourquoi elle s'est pas un peu occupée de nous deux, s'il lui fallait absolument notre fils quelque part, hein? Et pourquoi dans son testament, elle dit pas une seule fois le mot fils, le mot fille, hein? Je sais pas. Pourquoi elle dit les jumeaux, la jumelle, le jumeau, enfant sorti de mon ventre, vous savez? Comme si on était un tas de vomi. Un tas de merde qu'elle est obligée de sortir de son ventre, pourquoi? Écoutez, je comprends. Oui, mais qu'est-ce que tu peux comprendre, toi, d'être blanc? Rien. Je comprends très bien qu'après avoir écouté ce qu'on vient d'écouter, on se retrouve comme ça, les quatre jambes en l'air, en se demandant qui on est et pourquoi pas nous. Écoutez, je comprends, je veux dire, je comprends. Bon, c'est pas tous les jours qu'on apprend que notre père que l'on croyait mort est encore en vie et qu'on a un frère quelque part dans le monde.
Je veux dire, je comprends. Vous ne la connaissez pas. Je la connais d'une manière différente. De toutes les façons, ça ne me tente pas de discuter avec vous. Elle avait ses raisons. Non, ça ne me tente pas. Il faut lui faire confiance. Écoutez, j'ai un combat de boxe dans 10 jours, là. Et je veux plus rien savoir. Hein? On va aller voir un salon funéraire. On va aller acheter un cercueil. On va la mettre dans le cercueil. Mettre le cercueil dans le trou. La terre dans le trou. Une pierre sur la terre. Son nom sur la pierre. Et on se casse, d'accord? Excusez-moi, mais c'est pas possible. Ce ne sont pas là les dernières volontés de votre mère. Et je ne permettrai pas qu'on aille à l'encontre de ses volontés. Ah bon? Et t'es qui pour aller à l'encontre, toi? Je suis, malheureusement, l'exécuteur testamentaire. Et je n'ai pas le même avis que vous sur cette femme. Mais comment pouvez-vous la prendre au sérieux, hein? Parce que, je veux dire, elle a passé pendant 10 ans, toutes ses journées, au tribunal, à assister à des procès sans fin, de tordus, de vicieux et d'assassins en tout genre, et puis du jour au lendemain, elle se tait, elle ne dit plus un mot, 5 ans sans parler, c'est très long 5 ans, hein? Elle pète un câble, elle pète une fuse, elle pète un plomb si vous préférez. Et puis là, elle s'invente un mari encore vivant alors qu'il est mort depuis des lustres, et un fils qui n'a jamais existé, parfaite fabulation de l'enfant qu'elle aurait voulu avoir, de l'enfant qu'elle aurait été capable d'aimer. Et là, vous venez me parler de dernière volonté. Du calme. Et là, vous voulez me convaincre qu'il s'agit des dernières volontés de quelqu'un qui est encore toute sa tête. Du calme. C'est sûr. Mais avouez tout de même que vous arrangez les choses à votre convenance. Vous avez raison, ça ne me regarde pas. Et elle s'est tue pendant longtemps sans que l'on comprenne pourquoi. Et ça semble être un acte de folie, à première vue. Mais peut-être pas. Je ne veux pas vous vexer, mais si ça avait été un acte de folie, elle n'aurait pas reparlé. Et l'autre jour ou l'autre nuit, vous le savez, on vous a appelé. Elle a reparlé. Et vous pouvez pas me dire que c'était là une coïncidence, un effet du hasard, je crois pas à ça, moi. Je veux dire, c'était un cadeau qu'elle vous faisait, le plus beau cadeau qu'elle pouvait vous faire. Le jour et l'heure de votre anniversaire, elle recommence à parler. Et elle dit quoi? Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. C'est pas anodin comme phrase. Elle a pas dit... Tiens, j'aimerais bien me faire un petit hot dog, ou tiens donc, passe-moi le sel. Non, maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. L'infirmier l'a entendu. Il l'a entendu. Pourquoi il aurait inventé une chose comme ça? Il aurait pas pu inventer quelque chose de si vrai. Vous le savez, je le sais, on le sait tous. Une phrase comme ça, ça lui ressemble comme deux couteaux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Bon, après, c'est vrai. Elle s'est tue pendant longtemps. Et si tout ça était demeuré dans le même état, j'aurais eu des doutes, moi aussi. Comme quoi, vous avez raison. Mais je pense qu'il faut le prendre en considération. Elle a posé un acte de raison. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Mais bon... Après, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Vous avez la liberté de ne pas répondre aux dernières volontés de votre mère. Mais vous ne pouvez pas demander la même chose de tout le monde, de moi, de votre sœur. Les faits sont là. Votre mère demande une chose à chacun de nous trois. Même les condamnés à mort ont droit à des dernières volontés. Pourquoi pas votre mère? Écoutez, les enveloppes sont avec moi. Je comprends qu'aujourd'hui, vous ne vouliez pas en entendre parler. Mais peut-être plus tard. Rome ne s'est pas bâtie en plein jour. Il faut se laisser du temps. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Bonjour. Je ne peux pas dire aujourd'hui combien d'entre vous passeront à travers les épreuves qui vous attendent. Les mathématiques telles que vous les avez connues jusqu'à présent ont eu pour but d'arriver à des réponses
stricte et définitive en partant de problèmes stricts et définitifs. Les mathématiques dans lesquelles vous vous engagez en suivant ce cours d'introduction à la théorie des graphes sont d'une toute autre nature, puisqu'il s'agit de problèmes insolubles qui vous mèneront toujours vers d'autres problèmes tout aussi insolubles. Les gens de votre entourage vous répéteront que ce sur quoi vous vous acharnez est inutile. Votre manière de parler changera et plus précisément encore, votre manière de vous taire et de penser. Et c'est cela précisément que l'on vous reprochera le moins. Que l'on vous pardonnera le moins. On vous reprochera souvent de dilapider votre intelligence à des exercices théoriques absolument absurdes, plutôt que de la mettre au profit de la recherche contre le sida ou d'un traitement contre le cancer. Vous n'aurez aucun argument pour vous défendre, car ces arguments sont eux-mêmes d'une complexité théorique absolument épuisante. Bienvenue en mathématiques pures, c'est-à-dire au pays de la solitude. Introduction à la théorie des graphes. Tu sais pourquoi t'as perdu ton dernier combat, Simon ? Et tu sais pourquoi t'as perdu ton avant-dernier combat ? J'étais pas en forme, c'est tout. Écoute, c'est pas comme ça que tu vas arriver à quelque chose. Allez, bon, mets-moi les gants. Prenons un polygone simple à 5 côtés nommés A, B, C, D et E. Nommons ce polygone le polygone K. Imaginons à présent que ce polygone représente le plan d'une maison où vit une famille, et qu'à chaque coin de cette maison est posté un des membres de cette famille. Remplaçons ainsi un instant A, B, C, D, E par la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille. Réchauffe-toi. Posons alors la question à savoir qui, du point de vue qu'il occupe, peut voir qui. La grand-mère voit le père et la mère et la fille. Le père voit la mère et la grand-mère. La mère voit la grand-mère, le père, le fils et la fille. Le fils voit la mère et la sœur. Et enfin, la sœur voit le frère, la mère et la grand-mère. Tu ne vois pas, mais tu es aveugle. Tu ne vois pas le jeu de jambes du type qui est en face de toi. Tu ne vois pas sa garde. On appelle cette application l'application théorique de la famille vivant dans le polygone K. Maintenant, enlevons les murs de la maison et traçons des arcs uniquement entre les membres qui se voient. Le dessin auquel nous arrivons est appelé graphe de visibilité du polygone K. Trois choses à observer, Simon. Il existe donc trois paramètres avec lesquels nous jonglerons au cours des trois prochaines années. C'est toi le plus fort. Les applications théoriques des polygones. Allez, aucune pitié pour le type qui est en face de toi. Les graphes de visibilité des polygones. Si tu gagnes, tu deviens professionnel. Et enfin, les polygones et leur nature. Le problème est le suivant. Pour tout polygone simple, je peux facilement, comme nous l'avons démontré, tracer son graphe de visibilité et son application théorique. Maintenant, comment puis-je, en partant d'une application théorique, tracer le graphe de visibilité du polygone concordant ? Quelle est la forme du polygone où vit une famille ? Essayez de tracer un tel polygone. T'es pas là, désolé, t'es pas là, t'es pas concentré. Ma mère est morte ! Mais justement, le meilleur moyen de t'en sortir, c'est de gagner ton prochain combat. Alors lève-toi et frappe ! Tu n'y arriveras pas sinon. Vous n'y arriverez pas. Toute la théorie des graphes repose essentiellement sur ce problème pour l'instant impossible à résoudre. Or, c'est cette impossibilité qui est belle. C'est sûr. Il y a des fois comme ça dans la vie où il faut plonger, agir. Je suis content que vous soyez revenu. Content pour votre mère. Vous avez l'enveloppe ? Oui. Mais cette enveloppe n'est pas pour vous. Elle est pour votre père. Votre mère souhaite que vous le retrouviez et que vous le lui remettiez. Et elle vous léguait aussi cette veste en toile verte avec le numéro 72 à l'endos. Vous croyez que votre père est encore en vie ? En mathématiques pures, 1 et 1 ne font pas 1,9 ou 2,2. Ils font 2. Que vous y croyez ou pas, 1 et 1 font 2. Que vous soyez de bonne humeur ou très malheureux, 1 et 1 font 2. Nous appartenons tous à un polygone, monsieur Lebel, et je croyais connaître ma place à l'intérieur du polygone auquel j'appartiens. Je croyais être ce point qui ne voit que Simon, son frère,
et Nawal, sa mère. Aujourd'hui, j'apprends que du point de vue que j'occupe, je peux aussi voir mon père. J'apprends aussi qu'il existe un autre point à ce polygone, un autre frère. Le graphe de visibilité que j'ai toujours tracé est faux. Quelle est ma place dans le polygone? Pour trouver, il me faut résoudre une conjecture. Mon père est mort. Ça, c'est la conjecture. Tout porte à croire qu'elle est vraie, mais rien ne la prouve. Je n'ai pas vu son corps, pas vu sa tombe. Il se peut donc, entre un et l'infini, que mon père soit vivant. Au revoir, monsieur Lebel. Jeanne! Waheb! Jeanne! Waheb! Nawal! Waheb! Nawal! Allô, Jeanne? C'est maître Lebel. Waheb! Nawal! Il y a une chose à laquelle je viens de penser. Waheb! Nawal! Votre mère a connu votre père lorsqu'elle était très jeune. Je vous le dis, je ne sais pas si vous le saviez. Waheb! Waheb, écoute-moi. Je t'en prie, ne parle pas. Parce que si tu dis un mot, un seul, tu pourrais me tuer. Tu sais pas encore, Waheb, tu sais pas encore le bonheur qui va être notre malheur. J'ai l'impression que si je dis un mot, un seul, tu vas mourir toi aussi. Ok, je vais me taire, Waheb. Promets-moi alors de ne rien dire. S'il te plaît. Je suis fatiguée, s'il te plaît. Je vais me taire. Laisse le silence. S'il te plaît, ne dis rien. J'ai couru toute la nuit, Waheb. Je t'ai appelée toute la nuit. Je savais que j'allais te trouver au rocher aux arbres blancs. Tu sais, je voulais hurler pour que tout le village l'entende. Pour que la nuit l'entende. Pour que les arbres l'entendent. Pour que la lune et les étoiles l'entendent. Mais je pouvais pas. Je dois te le dire à l'oreille, Waheb. Après, je sais que je pourrai plus jamais te demander de rester à mes côtés. Même si c'est ce que je désire le plus au monde. Même si j'ai l'impression que tu serais... que je serai à jamais incomplète si tu demeures à l'extérieur de moi. Même si, à peine sortie de l'enfance, je t'avais trouvé, toi. Et qu'avec toi, je tombais enfant dans les bras de ma vraie vie. Je sais très bien que je ne pourrais plus jamais rien te demander. J'attends un enfant, Waheb. Mon ventre est plein de toi. C'est un vertige, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et c'est horrible, n'est-ce pas? C'est un gouffre et c'est comme la liberté aux oiseaux sauvages, n'est-ce pas? Il y a plus de mots, il n'y a que du vent. Lorsque la vieille Hélène me l'a annoncé, un océan a éclaté dans ma tête, une brûlure. Mais Hem se trompe peut-être. Hem ne se trompe pas. Je lui ai demandé, Hem, est-ce que t'es sûre? Et elle a rigolé, elle m'a dit qu'elle avait fait naître tous les enfants du village depuis plus de 40 ans. Tu sais, elle m'a sorti du ventre de ma mère et elle a sorti ma mère du ventre de sa mère. Hem ne se trompe pas. Mais elle m'a promis qu'elle ne dirait rien. Mais dans 2 semaines, on ne pourra plus le cacher. On ne le cachera pas, Nawal. Ils nous tueront, toi le premier. Mais on leur expliquera. Mais tu crois qu'ils nous écouteront? Mais de quoi tu as peur? Mais tu n'as pas peur, toi? Mets ta main. Waheb, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est la peur, je sais pas si c'est la colère, je sais pas si c'est le bonheur. Où serons-nous, toi et moi, dans 50 ans? Nawal, écoute. Ce soir est un cadeau pour nous deux. Je n'ai peut-être pas de tête pour dire ça, mais j'ai un cœur.
Il est solide. Il est patient. Ils crieront. Nous les laisserons crier. Ils nous insulteront. Et alors, nous les laisserons nous insulter. Peu importe. Parce qu'au fond, il y aura un enfant de toi et de moi. Ton visage. Mon visage dans le même visage. J'ai envie de rire. Et ils me frapperont, bien sûr. Mais peu importe. Parce qu'à la fin, moi, j'aurai un enfant au fond de ma tête. Tant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Mais nous serons toujours ensemble. Écoute, rentre chez toi. Attends que tous se réveillent. Et quand ils te verront, assis, à l'aube, à les attendre, ils t'écouteront parce qu'ils sauront quelque chose d'important s'est produit. Si tu as peur, pense que moi aussi, je serai chez moi, assis à attendre que tous se réveillent. Et je leur dirai, l'aube n'est pas loin. Nawal ne te perd pas dans le brouillard. Et pense à moi comme je pense à toi. Et surtout, souviens-toi. Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. Pourquoi dans le